n'avais même pas porté un archique. Personne s'est rendu compte que tu étais le roi, que tu es le Seigneur, tu étais le Sauveur à cause de mes péchés, à cause de mes infirmités. Jésus, je suis dans la maman. Je suis un peu plus de
possible, Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu fais connaître ta puissance dans toutes les nations de la terre. Tu fais connaître ta puissance. Tu fais connaître ta puissance partout là où ton nom est invoqué. Tu fais connaître ta puissance. Alléluia. Sois élevé éternel. Sois magnifique éternel. Parce que tu es le seul Dieu. Tu es gloire. Tes œuvres sont irrécoutables. Tes œuvres sont grandes. Toi les comparables. Toi les personne n'est semblable à toi, notre Dieu. Toi les nabashikas. Et c'est ce que tu feras éternellement. Qui est comme toi, mon Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur?
Oh,
de Dieu. Il est le de chique de Dieu. Yen de Kaba ma chique de Dieu. Yen de Sopo de ma chique de Dieu. Ah, lui la gloire. Ah, lui la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom éternel parce que tu es vivant. Tu es vivant. Yes, c'est qui donne. C'est que notre avocat, le Dieu, c'est le Seigneur, le seul fait de Dieu, le juste et juge. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Amen. Merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Il fait des grandes choses.
Wow.
fait passer à la puissance de lumière. Alléluia. Il est vivant. Merci Seigneur. Nous allons passer au mois de témoignage. Je vais inviter la sœur Prisca qui va témoigner pour son grand Dieu qui fait des grandes choses. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je veux témoigner la fidélité de Dieu, sa grandeur. Il est tellement bon. Amen. Il a tellement fait de grandes choses. Amen. Et je crois et je sais que quand tu auras encore à faire. Alléluia. Alléluia. Alors, je bénis Dieu parce que je remercie tout d'abord le Seigneur Dieu parce que depuis le jeudi passé, Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un an de plus, une année de plus dans ma vie. Si je suis encore là, hein, parce que je serai toujours là. Amen. Parce que le Seigneur ne permettra pas que les ennemis puissent m'attaquer, puissent me battre. Il m'attaquera aussi. Mais il ne permettra pas que les ennemis puissent me battre parce que nous vivons. Alléluia. Alors si je suis encore là, c'est parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Le Dieu de ce temps, le Dieu de ses lieux, le Dieu de ses serviteurs et servantes qui est vivant. Amen. Alors en ces lieux, il y a un Dieu. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant et un Dieu juste. Alléluia. Quand je dis un Dieu juste, c'est parce qu'il exerce aussi son jugement. Alléluia. Alors, c'était la semaine dernière. Voilà, la servante Émilie, maman Émilie, avait une condition qu'on puisse trouver pour moi. Alors, j'étais passé à l'intercession, c'était un mercredi. Et je suis passé, je suis allé là-bas, ici, dans la salle, à côté. Les servantes de Dieu ont prié pour moi. Il s'est passé quelque chose, vraiment, si le Seigneur n'était pas avec elle, Si le Dieu n'était pas un véritable Dieu, je ne serais pas là avec vous. Le diable a voulu, mais il n'a pas vécu. Alléluia. Amen. J'étais tombée et j'étais partie. J'étais dit à mon fils. Elles ont prié, elles ont invoqué le Dieu de l'annonce du Seigneur. Et le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, je suis là devant vous. Je continue à chanter, je continue à servir Dieu. Parce que. Je suis témoin de vous, je vais être venu là. Et c'est toi le bon, il a fait des bonnes choses dans ma vie. Alléluia. J'ai totalisé X âges. Mais depuis ma naissance, le diable a cherché à m'avoir. Je suis né avec des malformations. Je suis né à bébé qui m'a tué. Mais j'étais dans mes soins intensifs. Et le Seigneur m'a fait en sorte que je sois encore. Alléluia. Aujourd'hui, je suis parfait dans ma santé. Je suis vivante. Mais le Seigneur a fait grâce tout au long de ma vie. Il m'a donné une intelligence, il m'a donné des capacités que je me dis, les filles de mon âge m'en parlent. Les gens de mon âge m'en parlent. Le Seigneur m'a donné de ces capacités-là. J'en suis prêt et j'en suis tellement fier parce qu'il m'aime beaucoup. Du coup, que j'ai rencontré. C'est comme notre ancien, le père. Moi, je l'appelle mon papa à moi. Hein, je l'appelle mon papa à moi. Depuis que je l'ai rencontré, le Seigneur a bouleversé ma vie. J'ai prié à Kinshasa, mais Dieu a permis que les choses soient cachées à Kinshasa, mais qu'elles soient dévoilées, révélées ici. Parce qu'il avait un plan merveilleux pour ma vie. En arrivant ici, en Europe, en France, voilà, je pensais que tout va être beau. Mais Dieu a permis à ce que je puisse rencontrer certaines choses parce qu'il savait que derrière ces choses-là, sa gloire s'est éclatée dans ma vie. Et j'ai continué à le servir, je le servirai toute ma vie parce qu'il y a d'autres personnes, il y a des gens à qui Dieu a prédestiné sur cette terre que leur vie sera cachée seulement si ces personnes-là sont au service de Dieu. Et moi, je suis parmi ces personnes-là, donc tant que je sers Dieu, je sais que sa grâce, sa protection est sur moi. À chaque moment où je prie,
J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas, je ne sais pas ce que tu avais dit à ton serviteur lorsque tu l'as rencontré. Des choses que tu lui as dit dans le secret, moi je ne sais pas. L'annonce que tu as fait avec lui, tout ce que toi tu lui as dit, je ne sais pas. Mais je sais de notre seule chose, je crois que dans cette annonce-là, il y a la sécurité, amen. Il y a la protection, amen. Il y a la guérison, il y a des miracles. Je veux que ceci soit aussi mon partage. Amen. Et je veux vous encourager bien, le peuple de Dieu, à continuer à croire, même si aujourd'hui, je vois que c'est pénible, c'est difficile. Continue à t'accrocher, à croire au Dieu qui est Dieu. Parce qu'ici, il y a un Dieu vivant. Alléluia. Il y a un Dieu qui agit, il y a un Dieu qui bénit. Il y a des gens qui ont vu la main de l'Éternel, mais il y a aussi des gens qui ont encore la main de l'Éternel. Je suis parmi les gens qui ont vu la main de l'Éternel dans cette église. Notre Dieu est vivant.
elle veut de témoigner. C'est vrai. Il ne faut pas négliger ce que vous recevez ici. Nous devons vraiment nous accrocher à ce Dieu-là. Si nous sortons de ce Dieu, de cette alliance, c'est nous qui serons perdants, ce n'est pas Dieu. C'est un miracle. Mais notre Dieu est vivant. Amen. Il est vivant. Il est celui qui ressuscite. Il a ressuscité, il continue à ressusciter le mort. Il n'a pas changé. Notre sœur était morte, mais il a remis à la vie. Que Dieu te bénisse. Continue toujours à demeurer. Persévère, ma sœur. Tu auras des tribulations. Mais accroche-toi toujours. C'est que Dieu a fait badassa kabashiken nous bafanda. Ça va s'accomplir. Accroche-toi, demeure ferme. Demeure ferme dans ta foi. Ferme. Il va encore faire des choses qu'elle n'a jamais montrées. Je vais inviter le frère Arthur, va témoigner. Shalom, peuple de Dieu. D'abord, je dis que je vous aime infiniment. J'aime mon pasteur. Je l'ai dit aussi, je l'ai dit aussi. Et nous avons un fils qui s'appelle Amo. Et nous devons lui manifester aussi cet amour, juste avant de faire un chant pour mon Dieu. Je voulais juste dire à la peuple de Dieu que dès quand vous venez dans l'église, pendant la célébration, préparez-vous pour que votre corps, votre présence soit sur le front de votre odeur devant Dieu. Ça vient quand vous chantez, quand vous dansez. Exprimez toute votre charme, tout votre charme pour votre Dieu. Que vos habits, là, vous les oubliez, que vous bougez comme David et vous bougez devant Dieu. Parce que des larmes mouillées, il nous regarde et qu'il voit comment tu es. Je veux dire, tu t'offres un habit en tant qu'offrande vivante. Alléluia, ne regarde pas ton frère à côté de ta soeur. Mais c'est la disposition que tu t'es dit aujourd'hui, je viens adorer mon Dieu, je viens reconnaître que c'est celui seul. Tu peux tirer la mort dans la vie. Rien que cette attitude-là déclenche beaucoup de miracles dans la vie. Ce que nous entendons des hommes de Dieu, ce sont des conseils et des applications dépend de toi, dépend de moi dans la vie. Amen. Dieu nous aime énormément. Et des fois, Dieu nous regarde avec une différence parce que vous-même, vous êtes négligents. Alléluia. Que le sang qui a pleuré dans notre vie, et que nous soyons de un peuple glorieux devant Dieu. Amen. Amen. Mon message, c'est juste une exhortation, parce que nous sommes obligés d'oublier les lieux, et quand le Seigneur nous met quelquefois le message à cœur, il faut que nous puissions les livrer, c'est comme ça. Amen, hein? Je vous aime énormément. Je vais chanter un cantique, et je vais vous mettre un peu dans la confidence. C'est qu'il y a un cantique que je n'ai pas encore terminé de composer qui dit ceci. Ce qui est monina mon aïe, les amis pour la commune, comme on a ce que ça nous va pour vous céder, les amis pour un salon comme un sachet de tombeau à main. Ce qui est un ami qui est un bon, les amis pour un bon âme, un bon âme, ce qui est un ami qui est un bon âme, pour un peu ça compte un âme. Ça veut dire ceci, si vous m'envoyez grand, c'est pour que je puisse célébrer le nom de l'Éternel. Si vous m'envoyez petit, comme sachet, c'est pour que le Seigneur puisse vous dire de glorifier dans le vent. Quand je serai sur le sycomore. Amen. Et que Dieu aussi s'est dit, si vous m'avez belle, c'est pour que le Seigneur en regardant que les gens disent, ok, ce Dieu-là, c'est grand Christ. Alléluia. Chabana, le four de la main. Et Chabana. Il a nommé Yeshua Dinama. Il a nommé we
seulement, nous allons nous préparer pour recevoir la parole de Dieu. Nous sommes là, Dieu est là. Et il veut nous parler. Chacun a quitté sa maison. Il est venu pour adorer Dieu. Nous l'avons adoré, nous l'avons chanté, nous l'avons dansé. Nous avons entendu des témoignages parce que nous savons qu'il est toujours vivant, il est toujours puissant, il est toujours celui qui répond et qui nous exauce lorsque nous sommes connectés avec lui. Donc, on cherche à être connecté à ce moment encore pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Parce que tu es une personne merveilleuse devant lui qui veut te communiquer une chose très importante ce matin. Demande au Seigneur, Seigneur, quelle est cette chose très importante que tu as prévue pour moi ce matin? Je voulais vraiment que tu me fasses connaître, je voulais recevoir cette parole. Prie pour ton âme, prie que le Saint-Esprit puisse te convaincre, c'est la parole. Car la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, on a dit, si c'est pas son cœur. Ne vous révoltez pas, mais écoute ce que Dieu a parlé à travers sa servante. Prions ensemble, répondons aussi. La servante en tant que du Seigneur. Et que soit de nous éternel, notre Dieu. Nous savons que tu es le commencement. Le commencement, c'est toi. Tu es là et tu seras toujours là. Tu demeures éternel, éternel. Nous te bénissons, notre Dieu, à ce moment que tu veux nous parler, chacun de nous. Car tu connais nos cœurs sont vides. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Seigneur, tel que nous nourrissons notre corps, notre chair avec la nourriture fait de l'homme, mais nous voulons vraiment recevoir cette parole de l'Esprit. Parce que toi tu es l'Esprit, parle-nous de la chikéno, c'est le ton d'Esprit. Quel esprit vient de la chikéno, mais nous n'y est qu'à la chikéno, nous n'y est qu'à la chikéno. Il y a une seconde de la femme, il y a une seconde de la femme, il y a une seconde de la femme, c'est de la femme, Saint-Esprit, déverse encore, Seigneur, la présence, déverse ton prévu éternel de gloire ce matin soit compris de tous au nom de Jésus-Christ. Car ton souhait est que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de nos âmes éternelles. Car Seigneur des armées, on peut prier, on peut venir à l'église, on peut jeûner, on peut donner de notre argent. Mais Seigneur des armées, Père, si nous ne bénéficions pas des privilèges que Seigneur des armées, que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu,
Seigneur, nous n'avons pas compris le pourquoi de notre but sur terre. Fais que cela soit notre partage ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je soumets sous ta Seigneurie tout esprit contraire à ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'opposition, tout esprit de Yokoske Diakabashi, éternel Dieu de gloire, des soulèvements, tout esprit éternel Dieu de gloire, Père, de panique, au nom de Jésus. Que seul, Seigneur Dieu de gloire, ton esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Que la colonne de feu soit notre partage ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, j'aimerais vraiment te demander ton attention, très important. C'est rare que je puisse bosser encore comme ça. J'étais au travail hier, le Seigneur a permis que je puisse travailler et j'ai pu écrire toutes ces feuilles. J'aimerais d'abord dire une chose très importante. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, nous rencontrons beaucoup de choses, de bien et aussi de mal. Mais comme l'appel vient de Dieu, nous persévérons, nous tenons bon, parce que l'homme nous a appelés, parce que Dieu nous a appelés. Alléluia. Et au-delà de tout ça, on peut nous donner des cadeaux, on peut nous offrir des biens, des maisons, des vêtements, des chaussures, des bijoux, tout ce qu'on peut nous donner. Mais il y a une chose très importante que l'Église doit apprendre à donner aux serviteurs, ce sont les sacrifices de prière. Alléluia. Donc, nous avons besoin, nous, en tant que serviteurs, au-delà des biens matériels, au-delà de ce que nous pouvons voir, nous avons besoin de votre soutien dans la prière. Nous avons besoin d'intercesseurs. Moi, personnellement, j'ai besoin que tu sois mon intercesseur. J'ai besoin que tu sois mon intercesseur. Parce qu'il arrive sur notre marche, dans notre marche avec le Seigneur, que nous aussi nous soyons affaiblis pour X et Y raisons. Que Yokoskan et Akashi, nous puissions aussi rencontrer le découragement pour X ou Y raisons. Mais si toi, tu es mon intercesseuse, si toi, tu es mon intercesseur, ta prière fera en sorte que je sois relevé et que je puisse continuer ma marche. Donc, ayons cela vraiment dans nos cœurs. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos livres dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. C'est un texte que tu connais. Marc, chapitre 5. La Bible dit, Jésus sur le territoire de Gadaréna. Guérisant d'un démoniaque. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se mordissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. C'était la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons aborder le thème de la délivrance. Je sais que c'est un thème vaste. J'en aborderai que quelques aspects, parce qu'un seul dimanche ne suffira pas de parler de la délivrance. C'est un grand thème, c'est un thème vraiment énorme.
il faut des mois, il faut du temps pour en parler. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir quelques aspects de la délivrance. La délivrance. Donc, notre texte premier, Marc 5, 1 à 10. Merci. Nous avons lu le texte du fou de Gadara. Là, Marc relate que Jésus, qui était avec ses disciples, ils étaient dans la barque et ils sont passés de l'autre bord. Ayant aussitôt posé ses pieds sur les territoires des Gadaréens, vint à sa rencontre un démoniaque, un homme qui était possédé par des esprits impurs. Donc, première chose, Marc nous fait voir qu'il y a des... il y a la possession. Alléluia. Donc, la possession est une réalité spirituelle. Les esprits impurs, les esprits démoniaques existent. Alléluia. Suivez-moi très bien. Et aussi, Marc nous fait voir que il y a des esprits territoriaux. Il y a des esprits qui dirigent des territoires. Il y a des esprits qui dirigent des pays. Il y a des esprits qui dirigent des quartiers. Il y a des esprits qui dirigent des circonscriptions. Parce que aussitôt que Jésus avait posé son pied sur le territoire de Gadaréen, la Bible nous dit que celui qui était possédé a reconnu l'autorité qui était en Jésus-Christ. Donc, nous vivons sur terre, nous marchons sur terre, mais il faut savoir qu'il y a deux influences. Il y a l'influence divine et il y a l'influence démoniaque satanique. Donc, soit tu te fais influencer par Dieu, soit tu te fais influencer par Satan. Ça, ce sont des réalités que nous devons ignorer. Aujourd'hui, même dans le combat spirituel, l'Église ignore les desseins de l'ennemi. Pourquoi ? Parce que l'Église s'est focalisée sur des choses dans les combats spirituels qu'il ne faut même pas. Aujourd'hui, dans le combat spirituel, on attaque les hommes. Aujourd'hui, dans le combat spirituel, on fait des retours à l'expéditeur. Or, on a oublié que nous combattons maintenant dans le combat spirituel avec les mêmes armes que l'ennemi. La haine, la jalousie, les meurtres, etc., etc. Or, nos armes, nous, doivent être contraires aux armes utilisées par le camp adverse. Alléluia. Donc, d'emblée, on nous montre qu'il y a une réalité, que cet homme-là était possédé, il était sous influence démoniaque. Pourquoi ? Parce que la Bible nous relate, Marc relate, dit qu'il était lié. Bien qu'on le mettait, on lui mettait des chaînes, mais il rompait ses chaînes. Et il vivait dans les cimetières. Il se meurtrissait la peau, il se faisait il se coupait la peau. Et il criait comme un fou, donc on l'appelle le fou de Gadara. Il criait. Et personne ne pouvait le dompter. Quand on parle de gens le dompter, c'est-à-dire personne ne pouvait le maîtriser. Alléluia. Amen. Au-delà de cette puissance démoniaque, il y a ce qu'on appelle une puissance divine. La puissance divine est cette puissance qui est au-dessus de la puissance satanique. Et pour arriver à bout des puissances démoniaques, tu as besoin, non de ton oncle, tu as besoin, non de ta maman, tu as besoin, non de ton mari, tu as besoin, non des hommes, mais tu as besoin d'avoir une alliance parfaite, concrète, avec celui qui détient toute autorité éternelle et salue. Sincèrement, ainsi tu pourras arriver à bout des démons, des sorciers, etc., etc. Alléluia. Très important, j'ai besoin de ma feuille. Genèse 22, 15 à 18. Est-ce que tu peux me lire Genèse 22, 15 à 18, s'il te plaît? Nous allons écouter. Genèse 22, 15 à 18. Dans la rapidité, s'il te plaît. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est pas beaucoup de temps. Genèse 22, 15 à 18. Nous écoutons la lecture, s'il te plaît. Genèse 22, 15 à 18. Je lis la parole du Seigneur. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même,
parole de l'Éternel. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, amen, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc nous allons surligner dans nos Bibles, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, amen, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Merci. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Les nations de la terre. Donc toi et moi, nous sommes des nations. Amen. Toi et moi, nous sommes nations. Nous ne sommes pas Israël de souche. Nous ne sommes pas Israël de souche. Non, 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 ce n'est pas pour nous que Jésus-Christ à la base était venu. Il était venu pour les Juifs, les véritables Juifs. Nous étions les païens. Nous étions les nations. Et lorsque nous avons cru en Jésus, maintenant nous sommes maintenant devenus par la grâce de Dieu co-héritiers de Jésus-Christ, héritiers des promesses de Dieu. Donc nous sommes des nations. Donc lorsque l'Éternel bénit Abraham, lui fait la promesse qu'il le bénira, c'est toi qui le voyais demain. Alléluia. Il a dit, je vous ai demandé de surligner, je te bénirai et je te multiplierai à l'infini. Ta postérité, je donnerai à ta postérité, elle aura le pouvoir sur la porte de ses ennemis. Et il a dit quelque chose d'important, toutes les nations. Donc à la place des nations, mets ton nom. Mets ton nom, ton prénom. Dis ton nom et ton prénom, je serai béni. Ange, ne se cas qui, je serai béni. Mets ton nom et dis. Alléluia. Vous savez, les actes de foi, les actes de foi, on ne réfléchit pas, on les pose. Amen. Les actes de foi, parfois, on a tellement prié pour nous, mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Mais le Seigneur attend seulement de ta part, parfois, un acte de foi. Que toi-même tu poses un acte de foi et les choses vont changer dans ta vie. Répète après moi. Répète ton nom, ton prénom. Dis, je serai béni en Éternel. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Ma voix est entendue, c'est bon? Je peux me passer du micro? Amen. Merci Seigneur. Donc, j'ai retiré, je te bénirai, je te multiplierai à l'infini. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toi, nation, tu seras béni en Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde ta vie. Non, 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 c'est bon. Je préfère. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de votre attention. Maintenant, regarde. Toutes ces choses que j'ai citées, est-ce que tu les vois dans ta vie? Est-ce que tu vis cela dans ta vie? Amen. Est-ce que tu vis cela dans ta vie? Amen. Je te bénirai, je te multiplierai à l'infini. Je donnerai à ta postérité le pouvoir de posséder la porte de ses ennemis. Et toi, nation, tu seras béni en Abraham. Si c'est ton partage, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas ton partage, c'est là où il y a un problème. Alléluia. Si c'est ton partage, je dis amen. Amen. Mais si ce n'est pas ton partage, il y a un problème. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on trouve la solution? Oui. Vous voulez qu'on trouve la solution? Oui. On a un remède miraculeux. Amen. La parole de Dieu. Amen. Le Seigneur s'en bénit. Très important. Les choses que je vous ai dit de surligner dans vos Bibles, c'est très important. La bénédiction peut être une déclaration. Alors la déclaration, quand j'avais parlé de c'est ton temps, c'est ta saison, j'avais dit que je peux venir. Je bénis ta vie par les paroles. Mais les paroles que je vais relâcher de ma bouche deviendront demain, après demain, des réalités perceptibles. Amen. Alléluia. Amen. Toute chose que nous avons est d'abord spirituelle. Amen. Avant qu'elles ne deviennent réalité, elles ont d'abord été enfantées, engendrées par Dieu dans les lieux célestes. Amen. Or, les ciels, c'est pour les célestes. La terre, c'est pour toi et moi. Amen. À qui la promesse a été donnée de dominer, d'assujettir
d'être un chef. Amen. C'est ça ta promesse. On me dira, oui, c'était dans le jardin d'Éden. Amen. Gloire à Dieu. Mais le jardin d'Éden qui a été détruit, le jardin d'Éden qui aujourd'hui les chérubins font en sorte que ça ne puisse plus, l'homme ne puisse plus retourner pour accéder à la vie. Mais Dieu est en train de reconstruire un nouveau jardin d'Éden. Ah là là. Amen. Ah, le micro. Amen. D'accord. Amen. Amen. Bon. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce que vous Amen. C'est très important. Tu as entendu parler de délivrance, mais aujourd'hui le Saint-Esprit va te conduire dans la délivrance autrement. Amen. Amen. Donc, je te bénirai, je multiplierai, je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Alléluia. Et Yakabo Sandako Shikenyako, quand je vois cette image de ma postérité posséder la porte de la postérité d'Abraham, posséder la porte de ses ennemis. Donc tu es la descendance d'Abraham. Spirituelle. Amen. Tu es la descendance d'Abraham spirituelle. Donc c'est toi qui dois posséder la porte de tes ennemis. Amen. Nous sommes ici. Il y a les qui nous veulent du mal dehors. Mais nous sommes au-dessus d'eux. Cela veut dire, une partie de nous est ici, une partie de nous est derrière les ennemis. Amen. À Judas, la promesse a été donnée que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Donc, quand ma main est sur la nuque de mon ennemi, j'ai gouvernance sur lui. J'ai autorité sur lui, c'est-à-dire que je peux le surprendre. Il n'en saura rien. Amen. Alléluia. Retenez-le, surlignez dans vos Bibles. Je te multiplierai à l'infini, je te bénirai. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et toi, nation, tu es béni en Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La délivrance est une réalité. La délivrance est une réalité. C'est-à-dire que chacun de nous va vivre la délivrance dans sa vie. Chacun de nous va vivre la délivrance. Quand on parle de délivrance, c'est-à-dire que lorsque nous, les femmes, nous allons accoucher, c'est lorsque l'enfant sort, les Français disent que c'est la délivrance. C'est-à-dire que l'enfant était resté, l'enfant est sorti. Amen. Donc une bénédiction que toi, tu vas enfanter, accoucher, va provenir de la délivrance. Alléluia. Très important, très important. Est-ce que là on a compris? Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc nous avons été créés pour régner, dominer, assujettir. Donc si on dit on est descendant d'Abraham et que ce que j'ai cité, nous ne le vivons pas dans nos vies, c'est contraire à ce que Dieu a voulu pour nous. Alléluia. Alléluia. Très important. Alors, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Tu peux nous lire s'il te plaît. Rapide par contre. Éphésiens 1, 3. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Béni soit le Dieu de notre Père, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, là, on voit, il y a plusieurs cieux. Donc, céleste, plusieurs. Avec S, X, S, non? C'est dans les lieux Prisca. Oui, X, X. Donc, pluriel. Donc, il y a plusieurs cieux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, dans les lieux célestes. Et c'est l'apôtre Paul, je crois, dans 2 Corinthiens 14, il dit qu'il avait connu une expérience. Il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Pour ceux qui lisent la Bible. Il a été ravi jusqu'au troisième. Hein? Donc, l'apôtre Paul a été ravi au troisième ciel. Donc, il y a un troisième ciel.
qui est là. Donc, Paul, c'était un apôtre de Dieu. C'était un serviteur de Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Donc, les... J'ai besoin de ce support, sinon je ne pourrais pas enseigner. Donc, le troisième ciel, Paul étant de Dieu, donc là, Dieu l'a emmené là. C'est là où repose la puissance divine. Donc, Dieu est là. Alléluia. Amen. Donc, s'il y a un troisième ciel, forcément, il y a aussi un deuxième ciel. Notre Père qui est au Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne sur la terre. Comme au ciel. Non, comme au ciel. Au ciel. Pas au ciel, mais au ciel. Donc, le Notre Père fait la différence des cieux. Du troisième, du deuxième ciel. Amen. Amen. Donc, le troisième ciel, j'ai dit, c'est là où réside la puissance divine. Dieu est là. Alors le deuxième ciel, qui habite au deuxième ciel? Apocalypse chapitre 12. Lorsque le dragon voulait tuer la femme qui était enceinte, qui voulait accoucher, alors il a été précipité. Mais la queue du dragon a entraîné un tiers des étoiles. Très bien, suivez les croquis. Donc le dragon et la femme, Apocalypse 12. Donc Satan, Lucifer, était là. Il s'occupait de l'adoration. Il s'occupait de l'adoration, de l'adoration. Alors, quand il a commencé à convoiter, l'orgueil est monté, il a voulu devenir l'égal de Dieu, il ne pouvait plus cohabiter avec le Seigneur. Alléluia. Donc, il a été précipité. Et dans l'ordre de sa précipitation, la Bible dit sa queue a entraîné un tiers des étoiles. Donc, les étoiles là, c'est les anges. Vous me comprenez? Amen. Très bien. Donc, ils sont descendus du troisième ciel. Satan est resté au deuxième ciel avec une partie des anges, aujourd'hui des démons. Et, toujours Apocalypse 12, c'est un beau texte. La Bible dit, il descend et il se tint sur le bord de la mer. Donc, une partie est descendue sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan a quitté le troisième ciel parce qu'il a été déchu. Il a érigé son trône dans une puissance satanique. Là, une partie de ces hommes, de ces anges devenus des démons sont restés là. Et une partie était... Parce que le texte d'Apocalypse 12 nous dit que le dragon était très en colère. Comme il n'a pas pu prendre la femme ni le bébé que la femme devait accoucher, il a dit qu'il va s'attaquer à la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est toi, c'est moi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc toi et moi, nous sommes postérité de Jésus-Christ. Nous sommes postérité de... Nous suivons Jésus-Christ. Donc il s'étend sur le sable de la mer et il est très en colère. Voilà pourquoi toi qui as cru en Jésus-Christ ce jour-là, tu as cru que c'était la fin de tes problèmes, tu t'es trompé. Au contraire, les choses difficiles vont commencer. Alléluia. Parce que il est très en colère. Le diable n'aime jamais qu'on lui prenne. C'est comme un voleur. Il n'aime jamais qu'on lui vole. Le diable n'aime pas. Il est très en colère. Mais je te rassure que dans sa fureur, dans sa colère, si tu restes accroché à Jésus, il ne pourra pas t'attraper. Parce que l'Éternel te gardera de tout mal, il te gardera et il te protégera. Alléluia. Donc, ça c'est le premier ciel. Le premier ciel, Dieu, souviens-toi lorsque Dieu t'a créé. Il a créé le premier homme, d'assujettir, de régner, de dominer, etc., etc. Donc, l'homme était maître. Alléluia. Donc, Dieu avait dans sa pensée, il a créé l'homme et l'homme est là. Donc là, l'homme est là. Pour gouverner. Donc, il y a encore qu'un des péchés qui est encore lors de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu était triste parce que Dieu avait créé l'homme pour être la réponse au deuxième ciel.
étais là, nous étions là, etc., etc. Lorsque Satan a été déchu, Satan a commencé à dominer, Satan a commencé à tourmenter les vies des gens, Satan a commencé. Mais Dieu a dit non, je vais restaurer les choses. Et il t'a créé, il t'a établi homme là pour être la réponse qui allait renverser le deuxième siècle. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Si on t'a jamais dit, tu es quelqu'un de merveilleux. Tu es créé à l'image et à la résonance de Dieu pour gouverner, pour dominer, pour être au-dessus de tout. Ça, c'est la pensée de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Donc là, nous voyons la politique, nous voyons les sciences, donc la technologie, le numérique, l'avancement des choses. Nous voyons l'économie. Donc l'homme est. Alors vous remarquerez que la plupart du temps, c'est le deuxième siècle. Quand la Bible dit que le monde est sous l'emprise de Satan. Amen. Autrement dit, donc c'est le deuxième siècle, la plupart du temps, qui gouverne, qui régit ou qui est emprise sur le premier siècle. C'est pour ça que vous remarquerez que les loges, les sciences occultes, on va t'ouvrir les yeux d'une manière mystique. Tu vas commencer à avoir des visions, des choses, c'est là. Donc quand les gens veulent régner dans une autre dimension que celle de Dieu, c'est là qu'ils vont chercher toutes ces choses. Allez-vous. Est-ce qu'on comprend? Merci Seigneur. Donc, très important. Donc, la première réalité, je voulais vous parler de la réalité, cette réalité-là. Maintenant, dans le deuxième ciel, comme c'est le siège emblématique du Satan, il y a ce qu'on appelle des prisons. On appellerait ça des prisons sataniques. Alléluia. En fait, chaque département, chaque commune, chaque pays a des prisons. Alors, la différence entre un prisonnier et un homme libre, même si cet homme-là n'a pas de papiers, n'a pas d'argent, c'est quoi? C'est que le prisonnier est restreint dans sa liberté. Le prisonnier n'est plus maître de lui-même. Le prisonnier est enchaîné. Le prisonnier ne peut pas vivre de lui-même. Il dépend des autres personnes. Mais la personne qui est libre, même si elle n'a pas d'argent, elle dira ce jour-là, je mange les pâtes, c'est pas grave. Je vais bénir le Seigneur. Mais il peut aller à Château Rouge. Il peut aller faire ses choses, ses courses, mais le prisonnier ne pourra pas. C'est très important. Donc, il y a les prisons sataniques. Dans les prisons sataniques, qui est retenu dans les prisons sataniques? C'est là qu'on nous parle de la possession. Le fou de Gadara était un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais cet homme, au cours de son parcours, demeure des démons. Donc c'était devenu un prisonnier. Mais un prisonnier, parce que nous aussi nous sommes des prisonniers, mais nous sommes prisonniers du troisième ciel. Parce que là, on sait que il y a le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit est notre maître. C'est lui qui nous dirige. Nous n'agissons pas selon nos propres convoitises, selon nos propres œuvres, mais nous agissons selon les Seigneurs, les Seigneurs. Amen. Mais dans les prisons sataniques, dans le fou de Gadara, était dans une prison satanique. Pourquoi? Parce qu'il était possédé. La possession, c'est quoi? La possession, c'est le fait, tu es toi, je suis là, moi. Mais c'est comme si en moi, il y avait une autre personne. Mais cette personne-là me domine ou a emprise sur moi. Ce qui fait que cette personne-là, dominante sur moi, dirige tous mes faits et gestes. Il m'a sujetti. Alléluia. C'est ça la possession. Donc, même si je vis, je marche, je souris, je fais des choses, mais je suis lié. Je suis enchaîné. Parce qu'en réalité, je ne suis pas maîtresse de moi-même. Tout ça, ce n'est pas pour les païens. Ce n'est pas pour les païens. C'est pour nous qui sommes dans l'église. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'un païen, avant d'arriver à l'étape de délivrance, il faut d'abord qu'il
accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que sa foi soit assise. Il faut qu'il passe par l'étape cure d'âme, etc., etc. Et là, il passera par la délivrance. Amen. Mais nous avons tellement l'habitude de servir, de faire les choses. Mais nous sommes des antres des démons, des maisons de demeure de Dieu. Voilà pourquoi, revenons à Genèse 22. La bénédiction, je ne définis pas simplement que le fait d'avoir de l'argent, non. Psaume 1 définit le bonheur. Il dit que c'est lui qui n'écoute pas les voix des moqueurs, qui écoute la voix de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il dit même heureux, heureux l'homme. Alléluia. Ça ne se quantifie pas le bonheur. Ça ne se mesure pas le bonheur. Et comment ça caché? Il y en a qui ont qui sont dans les loges, ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tourmentés jour et nuit. Ils sont des prisonniers de Satan. Et Koboshi, j'aime bien moi les séries américaines. Les prisonniers, tu risques même de mourir en prison. Si tu as été un violeur, on risque même de te tuer en prison. Si tu étais dans les gangs, on risque même les gangs de te tuer en prison. Non, ta vie est en danger. Satan n'est pas un bon maître. Il est mauvais. Quand son heure arrive, il n'aura pas pitié de t'égorger. Le voleur ne vient que pour votre égorger, tuer. Mais le bon berger est venu donner sa vie comme rançon pour la responsabilité de plusieurs. Amen. Alléluia. Donc, la possession, j'ai dit, je ne pourrais pas parler de toute la délivrance. Les points clés que le Seigneur a mis dans mon cœur. La possession. Il y a aussi ce qu'on appelle. Dans la possession, on retrouve les obsessions. Les obsessions. Les obsessions, c'est. J'ai regardé hier sur la définition d'obsession. C'est quand j'ai une idée fixe. Je veux manger du chocolat. Le chocolat ne me quitte pas. Le chocolat ne me quittera que lorsque je l'aurai mangé. Si je n'ai pas mangé du chocolat, je vais rester. Il y en a qui sont obsédés. C'est ce qu'on appelle les obsédés sexuels. Aujourd'hui, on est 13. La psychiatrie est prête, essaye de me soigner. Amen. Oui. Non, essaye parce que ça soigne, ça guérit pas. Essaye de les stabiliser. Donc, c'est ça les obsessions. Obsession, quand j'ai une idée fixe dans ma tête, je dis, ce frère-là, je le hais. Je ne serai tranquille que lorsque sa tête tombera. Tant que sa tête n'est pas tombée, je ne serai pas bien. Il y a des personnes obsédées. Mais ces personnes-là prétendent avoir la bénédiction d'Abraham. Amen. Il y a une réalité. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le français, la Bible est très intelligente. Hein? En tout cas, le Seigneur est très intelligent. Et il avait inspiré cette intelligence à ceux qui avaient écrit la parole de Dieu, la Bible. Donc, quand on ajoute quelque chose, un mot dans la Bible, bien aimé, ce mot-là a de l'importance. Donc les adverbes rajoutés, c'était pour insister. C'est-à-dire réellement. Donc il n'y a pas une part d'ombre, il n'y a pas. Non, tu es réellement libre. Et la liberté, on ne la cache pas. Elle se fait voir. Alléluia. Amen. Donc les obsessions, etc. Les prisonniers, ce sont ceux qui sont envoûtés. Envoûtés, ce sont des réalités. C'est-à-dire que j'ai mon mari. Mon mari est bien avec moi, il est bien. Il part à Kinshasa, c'est un exemple. Il part à Kinshasa, je lui ai interdit, écoute, papa, il ne va pas manger chez les gens. Mais papa, il va manger chez une cousine qui a aussi une amie. Alors que pendant la cousine cuisinait, préparait, l'amie est venue, elle a mis un produit dans la nourriture. Mon mari n'a pas le Seigneur. Qu'est-ce que ça va se passer? Il sera envoûté. Alléluia. Donc il rentre, oh, mon mari est maintenant visible, je ne comprends pas, il chante. Ce sont des réalités spirituelles. Amen. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les liens, les pactes, les contrats démoniaques. J'aime bien les questions, Seigneur, mais je n'ai rien fait. Comment se fait-il que dans ma vie, il y a telle chose, il y a telle chose. Oui, on m'avait raconté une histoire. Une mamie, alors.
aller cueillir les légumes dans la parcelle voisine. La propriétaire de la parcelle voisine vient et voit qu'elle cueillait les légumes. Elle récoltait les légumes. Elle s'est fâchée. Elle a dit, pourquoi tu es venu prendre les légumes chez moi? À partir d'aujourd'hui, je maudis ta postérité. Arrivé à 35 ou 40 ans, vous êtes, toutes les femmes de ta famille deviendront aveugles. Amen. Effectivement, la mamie est partie, c'était la grand-mère. 35 ans aveugle. L'âge est aveugle. Jusqu'à ce que l'une d'elles rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce genre d'hémorragie dans les pattes ne se rompent que lorsque la personne rencontre le salut par Jésus-Christ. Là, l'hémorragie se stoppe. C'est comme Anaïs, non? Le cortège de la mort qui rencontre le cortège de la vie. Le cortège de la vie fait face au cortège de la mort et prend le dessus. Il a dit, je le jure par moi-même. Or, nul ne peut jurer par lui-même parce qu'il y a une force au-dessus de lui. Amen. Mais Dieu ne peut jurer que par lui-même. Parce qu'il n'y a aucune autre force au-dessus. Amen. Sa parole n'a pas de recours. Elle est sans appel. Amen. Il a le dernier mot. Alléluia. Donc, ce sont les hommes. Maintenant, dans les pattes, il y a ce qu'on appelle des maladies héréditaires. Voilà pourquoi toi qui jusqu'aujourd'hui tu chéris. Ah, dans notre famille, on est diabétique. Ah, dans notre famille, il y a le cancer du sein. Ah, dans notre famille, il y a telle maladie. Bien-aimé, continue de chérir. Continue de clôturer. Continue. Ça fait partie des contrats, des pactes. Alléluia. Yenda Yakashi. Oh, quelle bonne maman je serais si je léguais à mes enfants le bien. Est-ce qu'en bonne maman, je pourrais léguer la maladie à mes enfants? Non. Alléluia. Il faut briser cela. Il faut rompre cela au nom de Jésus-Christ. Ces hommes-là sont des prisonniers. Oui, ils n'ont rien fait. Ils ne savent rien de ce qui leur arrive. Mais ils ont été sous le contrat. Je n'étais plus là vendredi. Mais je pense que j'ai regardé sur Internet, tu parlais de Élisée qui a opéré sous le manteau d'Élie. C'est-à-dire que c'est pareil dans le monde occulte. Pourquoi? Satan était là. Donc l'organisation du troisième ciel, il a vu. Il a même participé. Certainement quand il nous a mangé les chaînes, Satan aussi avait su. Donc il a reproduit textuellement dans le deuxième ciel. Voilà pourquoi les démons aussi croient que Jésus-Christ existe. Ils prophétisent même. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les prophéties au troisième ciel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Très important. Il y a les cas de stérilité. Par exemple, tu dors, tu es jeune fille. Tu n'as pas encore de proposé. Tu n'as pas encore. Voilà. Mais par exemple, tu dors, tu vois par exemple dans le rêve qu'une vieille tante, ou une tante éloignée, ou même une tante, vient et te prend ton enfant. On te prend ton enfant. Et dans les rêves, toi, tu poursuis la tante. Tu poursuis la tante, tu essaies de récupérer ton enfant. Si tu le récupères, tant mieux pour toi. Si tu ne le récupères pas, il faut aller le récupérer. Amen. 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 Tu dors. C'est ce qu'on appelle les esprits sous cube et en cube. Ce sont des réalités spirituelles. Les maris de nuit, les femmes de nuit communément appelées, ce sont des réalités, c'est-à-dire qu'ils existent. Et gare à toi si tu continues à chérir ces esprits-là. Pourquoi? Parce que ces esprits-là vont croître et grandir. Vous savez comment prennent de l'ampleur les esprits de maris de nuit, les femmes de nuit? Ce sont des esprits qui mettent de la honte. Donc quand je vois ça, je compte de venir en parler au pasteur du verre. Or, il me suffirait simplement de venir de lui en parler. Mon problème, c'est ça, monsieur. Ce sont des petits démons. Les maris de lui, les femmes de lui, les petits démons. Mais ils grossissent parce qu'ils savent que ce sont des esprits qu'on ne dénonce pas facilement. Alléluia. 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 On vous a fait des scarifications. On a, parce que j'étais malade, nous on place les nzoloko. On vous coupe ici parce qu'il faut guérir. Mais quand on guérissait, on mettait, je ne sais pas, du sable ou je ne sais pas. Mais quelles paroles ont été prononcées lorsqu'il faisait cela? Oui.
Alléluia. Alléluia. Je ne pense pas que ce monsieur-là disait au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. Tu jouiras de la vie, mais tu ne joueras pas de la vie dans sa totalité. Tu ne croqueras pas la vie dans la, avec saveur, comme Dieu veut que tu puisses la croquer. Amen. C'est très important. Oh non, mais on avait prié pour moi. Hein. On avait, vous savez, je disais à Saint-Chrétien en venant dans le transport, Dieu nous aime et Dieu nous a gardés protégés depuis que nous étions enfants. Parce que si on pense qu'il y a caché enfant que nous étions, le Seigneur nous avait ouvert les yeux pour voir les gens qui nous entouraient. Je pense qu'on allait sauter, on allait fuir. Mais nous avons vécu avec les sorciers. Nous avons vécu avec les gens qui n'étaient pas corrects. Mais le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a protégés. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a les transmissions de pouvoir dans la famille. C'est-à-dire que ma maman, je me donne moi-même exemple, ma maman avait le pouvoir de guérison. C'est-à-dire qu'il faut seulement qu'elle vienne, tu viens. La personne guérit. Donc, elle dit qu'elle va mourir avant de. Elle est. Oh, il y a Karoshi qui est. En Christ, il faut refuser ces choses-là. Ils font de toi une prêtresse, un prêtre que tu ignores même. Après quelques jours, après quelques temps, tu vas commencer à sortir, tu vas te voir dans l'eau, tu vas voir beaucoup de choses. Ce sont des réalités spirituelles qu'il faut dénoncer pour être délivré. Amen. 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 Il y en a beaucoup. Il y a les malédictions qui ont été prononcées, les paroles. Les paroles ont enchaîné beaucoup de personnes. Même nous, parents, ça c'est un conseil, faisons attention. Nos enfants, aussi mauvais qu'ils sont, aussi insolents qu'ils sont, aussi parfois ils n'écoutent pas, mais ne lâchons jamais, ne relâchons jamais de paroles de malédiction sur eux. Parce que ça risque de les enfermer. Et nous-mêmes, nous risquons. Tu dis, ah, cet enfant, il n'est pas intelligent, hein. Cet enfant, il ne réfléchit pas, hein. Cet enfant, il est vraiment soba. Oui, bien aimé, tu enchaînes ton enfant dans la bêtise. Donc, quand il grandira, il vivra ce que tu feras. Il y a des jeunes, des bébés, quand ils étaient encore bébés, tu verras, elle sort, elle a un pouvoir de séduction, mais grave. Mais parce que pendant que sa maman l'a lavé, sa maman l'a déclaré les choses. Hey, ma fille, quand tu vas sortir, tout homme qui va te rencontrer, qui tombe, qui va. Mais il faut briser cela au nom de Jésus. Parce que ce pouvoir n'agit pas sous la puissance du Seigneur, mais c'est une puissance démoniaque. Et tu entraînes aussi le pauvre monsieur sous cette emprise démoniaque. Il y a des garçons, quand on l'avait, on disait, prends la force, je te lave, comme ça tu seras fort, comme ça tu seras. Alléluia. 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 Les protections dans les familles. Ah non, nous on ne tue pas. Non, c'est juste pour protéger la famille. Oh, mais si on avait besoin d'un protecteur, est-ce qu'il y aurait besoin de Dieu, que Dieu existe? Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas vivre les promesses de Dieu, ni accomplir les mandats que Dieu nous a laissés, parce que nous sommes même enchaînés. Un prisonnier ne peut pas faire sortir de prison un autre prisonnier. Il faut que tu sois libre et doté de cette puissance divine pour faire sortir tes frères, ta famille de ces prisons démoniaques. L'autre a été enfermé. Abraham vient et le délivre. Il arrive à vaincre, il était 12 ou 10, les rois. Il arrive à les vaincre. Et lorsqu'il a vaincu ses rois, c'est là qu'il y a eu la consécration. La Bible dit que vint au devant de lui Melchisédek, roi de Salem. Aujourd'hui, qui est Lot pour toi? Qui est Lot pour toi? Dans ces prisons, se retrouvent aussi des gens qui ont du mal à pardonner. À pardonner. Le pardon est une prison. Le manque de pardon est une prison. Donc, tu t'es toi-même enfermé dans cette prison.
Mais cette personne n'a pas besoin que l'équipe d'intercession passe du temps au nom de Jésus. On va souffrir pour rien. Cette personne-là, il faut simplement qu'elle ouvre son cœur. Les verrous de la prison vont sauter et elle va sortir. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Amen. On a compris? Amen. On a compris? Amen. Amen. Pour se défaire de cela, il faut une puissance supérieure, celle de Dieu. Et je te rassure que Dieu est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute prison satanique qui puisse exister. Il est au-dessus. Il est là. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Le célibat, les blocages, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand tu te retrouves dans ces cas, il y a aussi le manque d'intelligence. Il y en a, ils sont pas bêtes. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais ces gens-là n'arrivent même pas, ce n'est pas normal, n'arrivent pas à réfléchir. Non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, même si elles prennent les cahiers de mathématiques ou français, parce qu'on ne peut pas, moi, je n'étais pas forte en maths, mais j'excellais en français, j'excellais en latin. Donc, il y a des cours où tu dois exceller, parce que tu ne dois pas être fort en tout. Mais il y a des gens, ils commencent à prendre les cahiers. Le pauvre essaye d'étudier, étudier, mais n'arrive pas. Alléluia. Ah oui. Il y a un de mes fils, il est encore petit. Il avait à peine 7 ans. Il voit dans le rêve une petite aussi qu'on connaissait qui vient dans son rêve en forme de serpent. C'était une personne, mais elle, la langue du serpent. Donc cette personne-là, cette petite-là, lui faisait, vous voyez, comme le serpent, comme s'il veut sortir, sa langue. Oui, des fois aussi. C'est pour ça que c'est très important. Parents, il faut laisser les enfants sous la couverture du Seigneur. C'est très important, très important. Un parent ne peut pas aller se coucher sans prier pour ses enfants. Non. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc pendant que nous dormons, il y a des choses qui se passent. Donc le deuxième ciel se met en ébullition et dégage ses agents pour attaquer les gens sur terre. Alléluia. Ah, mon fils, ah, il est. En tout cas, cet enfant, il rêve trop, hein. Il y a aussi des âges. Quand tu vois parmi l'enfant, a trop les yeux ouverts. Soit il a un don, merci Seigneur. Mais soit aussi, on a commencé à l'utiliser. Très attention. Amen. Le Seigneur nous aide. Donc, Dieu est au-dessus, je te rassure. Même si tu te retrouves dans ces cas, le Seigneur a la capacité de te tirer de là au nom de Jésus-Christ. C'est même pour ça qu'il était venu sur terre. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Bon. Merci Seigneur. Je vais parler aussi d'une autre réalité. On entend souvent les hôtels. Des hôtels, la destruction des hôtels, je renverse les hôtels, il y en a même qui disent je renverse les hôtels, mais pas ce que c'est. Un hôtel, c'est un lieu de culte, c'est un lieu bâti pour rendre, offrir des sacrifices. Alors, comme le diable est malin, Il n'a rien créé, il n'a fait que recopier. Il a recopié au troisième ciel ce qui était. Il y avait aussi la notion des hôtels. Amen. Et il a recopié cela, il a commencé à utiliser ça dans le deuxième ciel pour attaquer ceux qui sont sur la terre. Au temps de Ruth était une non-juive. Il y avait un dieu. Celui-là, je regardais le film de Ruth, il était vraiment méchant ce Dieu-là. Il ne voulait que le sang des petites filles. Donc avant 10 ans, à l'âge de 7 ans, donc l'enfant de 7 ans, on emmenait l'enfant sur l'autel de ce Dieu-là, je vous dis son nom, Maloc. Merci. On amène l'enfant sur l'autel de Maloc.
imaginez un peu. Un Dieu fait de main d'homme. Un Dieu fait en bois. Un Dieu fait en statue. Comment peut-il réclamer le sang des hommes? Mais aujourd'hui, encore au XXIe siècle, sous la dispensation de la grâce, il y a des gens qui s'érigent des hôtels. Autre que l'hôtel qui a été bâti à Golgotha. Attention. 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 Très attention. Quand on parle de l'idolâtrie, nombreux croient que l'idolâtrie, c'est simplement lorsque je vais m'imaginer sur une statuette, devant une statuette. Non. L'idolâtrie est une réalité que tu ignores peut-être, mais tu es peut-être dans l'idolâtrie. Quand tu aimes ton mari plus que Dieu, quand tu aimes ta femme plus que Dieu, quand tu aimes ton travail plus que Dieu, quand tout ce qui est au-devant de toi passe avant l'éternel, tu commets l'idolâtrie. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Autrement dit, la pensée première doit être à l'éternel. Mais si elle n'est plus l'éternel, tu as bâti un hôtel à un Dieu étranger. Alléluia. Alors tu pourras aller au service de destruction des hôtels. Tu pourras en renverser 1000, 2000, ton hôtel restera. Parce que tu n'as pas encore compris. Et dans la destruction des hôtels, il y a quelque chose d'important qui intervient, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, quand je suis malade, là je suis bien portante. Je ne vais pas aller voir mon médecin, c'est temps. Non, parce que je me sens bien. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, il faut que j'aille voir mon médecin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui viendra me voir. C'est moi qui, parce que j'ai pris conscience que quelque chose ne va pas. Mais le problème avec les chrétiens, c'est ça. Nous avons des choses qui ne vont pas. Et nous savons que ça va pas, quand c'est contraire à ce que Dieu veut. Mais nous continuons, nous faisons, mais posons-nous, asseyons-nous, essayons de comprendre ce qui ne va pas. Oh! Oh non! Et maintenant, quand il y a quelque chose de dispensation, comme Joël dit, vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des sens, mais tout le monde prophétise, tout le monde voit, tout le monde a des rêves, tout le monde a des sens. Oh, il y a Kabashi, qui va aider qui? Il y a même à Kinshasa un culte de destruction des hôtels. Donc les gens, quand ils vont là-bas, c'est vraiment, hé, je prends l'hôtel qui était chez ma mère, je vais voir, je t'ai dressé là, je vais récupérer mon corps, je récupère mon corps, et je prends le feu, le feu. Le fou de Dalama essaie d'approcher de Jésus parce qu'il a reconnu l'autorité en Christ. Sans cette autorité du troisième ciel, tu opères dans les gens. Alléluia. Tu opères dans le. Il s'en va raconter son rêve qu'elle avait fait. J'ai beaucoup aimé son rêve. Elle dit, on était prêt à me tuer. On a failli me tuer. On était prêt à m'égorger. J'ai commencé à prier. J'ai dit, permettez-moi que je prie. J'ai dit, je prie le Dieu du pasteur Joseph Manuel. Je suis entré dans cette alliance. Et elle entend les coups de feu qui étaient prédestinés. Les gens ont commencé à s'en tuer. Elle ouvre les yeux. Elle voit les hommes qui voulaient la tuer par terre. Je ne sais pas si elle était allée de la destruction des hôtels, je ne pense pas. Alléluia. Des distractions, sortons des distractions. Nous ne serons pas éternels. Nous ne sommes pas éternels. Nous sommes passagers, nous sommes pécheurs. Nous passerons. Maman ange passera. Mais au cas où elle est attachée, maman ange, quand elle se tient devant toi, retiens ce que le Saint-Esprit te dit au travers d'elle. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, non, loin de là. Comme toi, comme moi, je suis je suis en train de marcher vers. J'ai aussi besoin, moi, d'entrer dans ma destinée. Tout ce que Dieu m'a dit, je ne l'ai pas encore vu. Et il y a travaillé, c'est ma prière. Là, pourquoi nous conseillons humblement, malgré les attaques, malgré les combats, les persécutions, j'essaie de m'approcher à l'éternel des armées pour entrer en possession de ma destinée. Alléluia. Alléluia. Les hôtels. Donc beaucoup ont érigé des hôtels à des dieux. Et ensuite, j'ai transformé nos vies, puisse bénir, transformer nos vies. Mais parfois nous arrivons à envier. Et en enviant, nous nous tournons vers le deuxième ciel malgré nous. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas oublier, les prophètes qui sont sur terre, là, je vous ai montré, il y en a aussi
libre, prophète serviteur, agisse avec l'emprise du deuxième ciel. Amen. Donc ils vont dans les métiers, ils vont dans les pays, voilà, ils prennent des gris-gris et ça ne va pas dans ma vie, je vais voir un prophète. Mais ces prophètes-là, bien aimé, quand tu n'es pas éclairé, quand tu n'es pas illuminé par la lumière du Saint-Esprit, il va t'ensorceler, il va t'envoûter. C'est là maintenant, quand après les années, tu sors de l'envoûtement, tu te dis, ah, mais j'ai passé tout mon temps, il n'était pas de Dieu cet homme. Voilà pourquoi tu dois être bâti sur la parole. Non, sur la parole. Et les prophètes ayant compris cela, ah ben, ils font leur business. Alléluia. Un vrai prophète prophétisera sur toi, certainement, te dira des choses sur ta vie. Amen, amen. Mais la première chose qu'il te dira, il te parlera de Dieu. Il te parlera de la part du Seigneur au regard des Écritures. Parce que le plus important, ce n'est pas la promesse. Le plus important, c'est l'accomplissement. Et pour que l'accomplissement arrive, oh bien-aimé, si tu regardes, on a brisé comme une fois sur toi. Non, maintenant, maintenant, je parle, revois ta vie. On a même dit que tu vas te marier à un ministre, non? On a même dit que tu vas te marier à un pasteur. On a même dit que tu seras. Alléluia. L'accomplissement, c'est pour quand? Mon peuple périt par fusion. Donc l'alliance est très importante. L'alliance, pas avec le deuxième ciel. Il te faut une alliance avec le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Cette alliance avec le troisième ciel te sécurisera. Car l'alliance sécurise. L'alliance protège. L'alliance garde. L'alliance élève. L'alliance, je pense qu'il y a la chique au passant de la place sur les lieux élevés. L'alliance te permettra de voir loin, plus loin encore et encore. Vous remarquerez ceux qui ont alliance avec Dieu, même quand arrivent les problèmes, ils branchent, ils tremblent, oui, mais ils ne tremblent pas comme les combats des mortels. Non. Parce qu'ils ont déjà entendu la voix de Dieu. Dans l'alliance, tu entendras l'Éternel te parler. Dans l'alliance, tu auras un fondement avec Dieu. Il te dira, même s'il y a une mort, une maladie qui tuera dans la famille, sache que je guérirai, car aucun de nous ne mourra d'une maladie incurable. Alléluia. Alléluia. Très important. On a compris? Donc, il te faut une alliance avec le Seigneur. Alors, j'aimerais te parler d'un côté. On a parlé de l'autel de Dieu Marmaloc. On a parlé de l'autel de Mammon, le dieu de l'argent. Les dieux avec petit D, hein. On a parlé des hôtels sataniques, diaboliques. Pendant que toi et moi, nous sommes en train de parler, d'écouter la parole, il y a peut-être un de nos frères, une de nos sœurs, qui n'avait rien fait. Mais en ce moment-là, il est sur le bûcher de l'ennemi. Il attend l'Holocauste pour être consommé par le diable. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que nous devons savoir. Voilà pourquoi dans la distraction, on bat le cœur. Au nom de Jésus, je détruis. Mais prends le temps de prier pour les tiens. Prends le temps de prier pour ta famille. Prends le temps de prier pour les êtres qui te sont chers. Prends le temps. Alléluia. Très important. Donc, je vais te parler d'un hôtel en particulier. Cet hôtel-là, c'est l'hôtel de Golgotha. Amen. Amen. C'est l'hôtel de Golgotha. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit dans l'hôtel, en définissant l'autel, c'est un lieu de sacrifice, c'est un lieu de culte. Souvenons-nous lorsque Élie, face au prophète Baal, avant que le feu ne puisse descendre du ciel, il a fallu qu'un autel soit dressé. Alléluia. Amen. Lorsque Caïn et Abel sont allés offrir des sacrifices à Dieu, il a fallu d'abord qu'ils dressent les autels. On ne peut pas mettre un sacrifice s'il n'y a pas d'autel au préalable. Et à Golgotha, il y a eu un hôtel qui a été dressé. Alléluia. Cet hôtel-là, c'est l'hôtel de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le sang a coulé. Il y a eu sacrifice. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Pourquoi ce sang-là a coulé? Ce sang a coulé, pourquoi? Parce qu'il fallait que les hôtels qui régnaient sur ta vie soient abolis, soient abandonnés, soient
Alléluia. Alléluia. C'est très important, c'est très important. Donc, lorsque le conseil est attaché, tu loues le Seigneur ou tu l'adores. Bien-aimé, c'est triste de voir qu'on est à bout de souffle au bout de la deuxième phrase. Mais à Golgotha, il s'est passé des choses extraordinaires. Alléluia. À Golgotha, il y a eu restauration, restitution, rétablissement de ta vie. Tout ce que le diable avait pris dans ta vie, mais avec l'autel de Golgotha, tu as tout récupéré. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, les chrétiens ignorants, au nom de Jésus, l'autel démonial, je renverse, au même on dit renverser les autels. Le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Tu as compris? Amen. Le Seigneur soit. Donc, quand on parle d'autel, on parle d'alliance, tu sais maintenant ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Tu sais spirituellement ce que ça veut dire. Donc pendant que nous sommes ici, nous sommes en train d'écouter la parole, etc., etc., il y a ce qu'on appelle des réclamations. Merci Seigneur. Il y a des réclamations. Amen. Les réclamations, c'est quoi? J'ai une dette de maman Nelly. J'ai sa dette à elle. Mais tôt ou tard, il faut qu'elle puisse me réclamer sa dette. Même si je pars loin. Même si je fais ma vie, mais ce que je dois lui donner. Alléluia. Amen. D'où la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais si malheureusement pour toi, lorsque les réclamations viennent dans ta vie et te trouvent en mauvaise posture, bien aimé, ce que tu dois à l'ennemi, tu le livras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien peut-il être possédé? Oui. Un chrétien peut-il être dans une prison satanique? Oui. Une personne qui venait d'être délivrée peut-il retourner dans la possession démoniaque? Oui. La Bible nous dit même lorsqu'ils sont chassés, ils partent pas loin, ils tournent autour. Et lorsque simplement tu ouvres la porte, il y a une issue qui se fait. La Bible dit qu'il ne va pas rentrer tout seul. Il va chercher cet autre esprit. Voilà pourquoi parfois dans les délivrances, on échoue. Parce que on échoue, de façon parlée. La personne elle-même a ouvert. Le temps est fini. La personne elle-même a ouvert. Il est présent. La personne elle-même a ouvert les portes. On a prié, on a prié, on a chassé les esprits. Ils sont partis. Réellement, ils sont partis. Parce que Dieu est souverain. Surtout le Dieu de cette alliance, il est souverain. Les esprits sont partis. Mais l'esprit ne sont pas partis loin. Ils sont en train d'espionner. Ils sont en train de chercher, de chercher. Et quand toi-même tu ouvres la porte, qu'est-ce qui va se passer? Les esprits vont revenir. Ils trouvent une maison propre, ils trouvent une maison sans rien. Ils vont aller chercher cet autre esprit plus dur, plus vivace, plus fort pour t'investir de nouveau. Et la Bible dit la condition de cette personne est pire que la précédente. Ah non! J'aime ça. Je suis de l'alliance du pasteur Joseph Mabeuil avec l'Éternel. Et par le Moshi, l'Éternel te regarde et je ne te connais pas. Amen. Bon. Le temps est fini. Je vais finir par là. Je vais faire juste un petit schéma que le Saint-Esprit m'a inspiré à 2h du matin. Après, je clôture. En même minute, on peut passer de près. Je finis là, je clôture. Alors, ça j'en parle pas. C'est pas grave. Mais c'était inspiré, je criais à 2h. C'est rare que je ne peux pas faire comme ça. Alors, donc, Dieu est là. Puissance démoniaque là. Et l'homme est là. Donc je vous ai dit au départ que nous avons été créés pour régler le problème du deuxième siècle. Amen. Est-ce que tu crois que tu as été créé pour régler le problème du deuxième siècle? Non. Est-ce que tu as été créé pour régler le problème du deuxième siècle? Amen. Amen.
Donc si c'est le cas, Dieu m'a révélé quelque chose d'important, très important. Donc il m'a dit, Dieu est là. Éphésiens 4, 9. Il dit, qui est celui qui est descendu, si c'est celui qui est monté. Donc Dieu. Amen. Alors, pour te secourir, il ne devait pas rester Dieu esprit. Il devait se revêtir de la chair. Alléluia. Donc il s'est revêtu de la, chair. Il est descendu sur terre. Donc il est descendu en forme de Jésus. Alléluia. Pourquoi il est descendu sur terre sous forme humaine? Pour établir l'autel qui est sur au troisième ciel, l'emmener au premier ciel. Donc, il fallait que l'autel qui est Yekabashi au troisième ciel soit ramené là. Encore, cet autel-là allait restaurer. Oh, Yekabashi. Allait donner à l'homme le mandat de pouvoir récupérer. D'abord, pour sa propre vie, tout ce qui était retenu au deuxième ciel. Voilà pourquoi à l'épouse, rien n'est caché. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils prieront pour les malades, ils seront guéris, etc., etc. Donc, Jésus est descendu sur terre. Il a connu l'état de l'homme. Il a su que l'obsession existait. L'oppression était une réalité spirituelle. Les liens étaient une réalité spirituelle. Il a revêtu la chair, il est là. Il a côtoyé l'homme. Et pendant qu'il côtoyait l'homme, on revoit Jésus, homme. Il est en train de former les disciples. Qu'après sa mort, ils allaient prendre le relais. Il est Dieu. Amen. Amen. Il monte. Merci Seigneur. Amen. Donc il est descendu en tant que chair. C'était important. Tout ce qu'il a écrit dans la Bible est important. Il fallait que dans Luc 4, à un stade de sa vie, qu'il déroule le livre d'Esaïe, là où est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oué pour restaurer, pour rétablir, proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel. C'est très important. Très important. Donc, il ne s'arrête pas là. Voilà pourquoi, avant l'ascension, lorsqu'il est avec les siens, il demande il leur demande qui dit-on de moi que je suis. Pierre, convaincu par le Saint-Esprit révélé, dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Il donne les clés à Pierre. Autrement dit, moi j'ai Dieu, revêtu de corps et de chair, je suis descendu. Je vais repartir, mais je vais léguer les clés de mon royaume. Les clés du pouvoir, les clés de toute autorité à l'épouse. Amen. 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 Donc l'épouse, c'est à elle qui a le mandat de délivrer les captifs. C'est à l'épouse qui a le mandat et Kayokoshi de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute force de ténèbres, rien ne pourra lui nuire. C'est à l'épouse. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc dans la révélation, l'épouse est équipée, l'épouse est revêtue, l'épouse est habillée avec des vêtements spéciaux pour monter en deuxième ciel. Et il y a aussi de sortir les captifs qui étaient au deuxième ciel, de ramener dans une vie de liberté, dans une vie de joie, de prospérité, pour que les choses ne soient plus pareilles. C'est ça le mandat de l'Église. C'est ça le mandat de l'Église. De faire les nations. De revêtir l'autorité de pouvoir. De parler de liberté. La puissance de son culte témoignage. Il était capital. Il était capital. Parce qu'aussi longtemps que le deuxième ciel gouvernait sur le premier. Dans mon gogo chicana, je pouvais pas progresser. Mais ta vie n'est pas condamnée. Ta vie n'est pas condamnée. Au contraire, ta vie commence aujourd'hui. Ta vie commence aujourd'hui.
aujourd'hui. Parce que je sais que si tu as compris que de toi, oh, le mandat a été délivré. Allez délivrer les captifs. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Quand tu parles des astronautes, ils vont dans au ciel, ou sur Mars ou sur la Lune, ils sont habillés d'une manière spéciale. L'épouse est habillée d'une manière spéciale. L'épouse n'est pas haineuse. L'épouse n'est pas jalouse. L'épouse n'est pas colérique. L'épouse est habillée d'amour. Amen. L'épouse est habillée d'amour. Cette inspiration, j'ai pris les feuilles, j'ai commencé à noter, j'ai dit waouh, tu es excellent Seigneur. Tu es excellent Seigneur, il est excellent. Donc l'homme a la capacité de contrecarrer les puissances démoniaques. Mais pas n'importe quel homme. Un homme revêtu de la personne. Alléluia. Alors, il peut arriver que sur terre. Tu es encore païen ou oui, les cristaux païens. Mais le Seigneur te connaît. Alléluia. Voilà pourquoi on dira, mais pourquoi Paul, lui qui persécutait l'église, Dieu a connu Paul. Dans ces hommes la marche. Parce que les têtes sont là, les pieds sont là. Mais les têtes sont détenues en prison. Mais ces hommes-là vivent, mais ils vivent. Ah, ils diront, j'ai la chance. Ils disent souvent ça. J'ai la chance. Pourquoi? Parce que quand je vais faire une coopération, ça marche. Ou bien, ah, je fais ci, ça marche. Ou bien, les sanctions vont me bouffer, mais mon sang, ils disent, ah, ma chair était amère. Yeah, 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 yeah. La grâce t'a localisé alors. Tu l'as foulé même au pied. La grâce t'a trouvé alors que tu l'as foulé au pied. Alléluia. Mais pour toi et moi, regardez la réalité spirituelle que nous vivons. Le troisième ciel, Dieu est là. La puissance des monnaies sont au niveau du deuxième ciel. Amen, amen. Mais Dieu a érigé un couloir spécial. Je dis la sorte que c'est la dernière fois. Lorsque le Pascal Diakachi, le convoi de l'ONU, va en Syrie, va en Irak, l'Irak a l'ordre de ne pas s'attaquer au convoi humanitaire. La Syrie a l'ordre de ne pas s'attaquer au convoi humanitaire. Sinon, il risque d'avoir des femmes. Et quand la Yarachi, pourquoi il y a ce couloir humanitaire qui a été créé pour enseigner les convois les vivres au ciel? Dieu pour nous, toi et moi, qui est né de nouveau, régénéré, marchant sur le modèle du Saint-Esprit. Tombant, mais te relevant par la grâce de Dieu. Il y a ce couloir que Dieu a créé, venant du troisième ciel, là où sont cachées toutes les bénédictions. Ton mariage est au ciel. La voiture est au ciel. La santé est au ciel. La restauration est au ciel. Ce couloir là-bas descend au deuxième ciel jusqu'en bas. Donc toi et moi nous traversons. Alors là, il est. Notre vie est cachée en Christ. Inattaquable et intouchable au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc ce couloir-là, nous traversons là.
Donc garde ta foi pour continuer à marcher dans ce lieu. Alors, il y a une réalité. Daniel priait. Le texte dit, Daniel est en train de le matin. Je lui dis, priez, priez. Alors, Daniel a continué, jusqu'à ce que la réponse était venue. Et l'Éternel lui révèle, Daniel, Daniel, dès l'instant où tu as ouvert ta bouche, j'avais entendu. J'ai envoyé mon ange, c'est Gabriel, qui est venu avec la réponse. Il a rencontré les puissances démoniaques et opposition. Mais Michel est venu l'aider. Mais pour toi, ça ne sera pas le cas. Tu sais pourquoi? Il y a un intermédiaire. Jésus-Christ lui-même. On va se lever. J'aimerais d'abord que tu fasses une chose. Avant toute autre chose, de prier, on a tellement brisé les autels, on a tellement renversé les autels, mais les autels sont toujours là présents. Comment d'abord à restaurer l'autel de ton cœur? Prends d'abord le temps de restaurer l'autel de ton cœur. Il a peut-être été donné à un autre. Restaure l'autel de ton cœur. La Bible dit, avant qu'Élie ne puisse commencer son service, il a restauré l'autel. Il a remis l'autel en place. Commence à restaurer ton cœur. Dis Seigneur, restaure mon cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, merci. Merci éternel Dieu de gloire pour ta parole, éternel. Car tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Oh Jésus de Nazareth, vois mon cœur en ce moment. Nous avons tellement prié. On a tellement prié pour nous. Délivrance, délivrance. On a vu des serviteurs de Dieu. On a vu des pasteurs. On a vu des prophètes puissamment loin. Mais nos vies n'ont pas changé. Mais nos vies sont restées les mêmes. Mais Seigneur, ce matin, tu nous as démontré. Et on sait que si nous avons d'abord restauré le cœur de nos cœurs. Car l'Éternel veut voir à ceux qui ont cru dans ta parole. Oui, tu leur as donné le pouvoir. Oui, d'accomplir des grâces. Alléluia. Amen. Il y a une réalité qu'on appelle l'auto-délivrance. Tu vas toi-même mettre ta main où tu veux, sur ta tête, sur ton cœur, où tu veux, et déclarer au nom de Jésus, au vu de ce que tu as vu, ce qui doit partir, doit partir. Ce qui doit tomber, doit tomber. Dis Seigneur, c'est ma portion. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Oh, merci Seigneur. Merci Éternel Dieu de gloire. Tu l'as envoyé à ta parole. Et ta parole me guérit. Alors, on peut se déchirer de ma peau. Vois ma soeur qui vit une réalité spirituelle différente de celle que tu as prise pour elle. Vois mon frère, on peut se déchirer. Et que le Sadmarayakamaba, qui veut s'en sortir, mais n'arrive pas. Qui veut aller de l'avant, mais n'arrive pas. Et Yana, il faut se chiquer de ma peau. Et que le Sadmarayakamaba, chiquer de ma peau. Et Yana, Santa, il faut se chiquer de ma peau. Alléluia, alléluia. Que Seigneur, ça ta gloire soit née, Seigneur, de le voir débloquer. Oh, comme nous l'avons vu, Seigneur, on regarde le message pour que les choses changent. Oui, je crois en notre délivrance. Je crois, amen, amen, amen. Et que l'homme renouvelé, l'homme restauré, l'homme régénéré, oh, il y a la machine de bientôt. Alléluia, tu peux l'utiliser. Tu peux te servir de lui pour que sa vie soit bénie, pour que sa vie soit transformée, pour que sa vie soit changée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu as vaincu les hôtels de Mouya, tu as vaincu les réclamations,
nous voulons te voir dans nos vies. Nous voulons te voir dans nos vies. Alléluia. 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 En qualité de servant de Dieu, je vais déclarer des choses sur ta vie. Et tu te sens concerné, tu diras Amen. Si tu te sens concerné, tu diras Amen. Et je te dis que cela prendra effet dès l'instant où tu croiras. Et Yakabashi Kumiko. Je déclare, oh, en cause de l'alliance, à cause de la fidélité, Seigneur. Et Yakabashi Kumiko. Que celui qui a cherché, mais n'arrive pas, à s'en sortir, éternel. Que ce jour, éternel de gloire, soit une délivrance pour lui, au nom de Jésus-Christ. Et commencez tes chiques, bien. Alléluia, alléluia. Les vies brisées, que l'ennemi tenait, oh, opprimé, Que ce jour, Seigneur, soit une année de grâce. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Que l'on s'attache à ceux qui dormaient mal, que ceux qui faisaient des cauchemars, ceux qui avaient des visitations satanique, que maintenant une autre réalité s'immisce dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Et Maria, tu nous dis que tu nous as bénis de toutes les bénédictions célestes. Alléluia. Et oui, spirituels qui sont dans les lieux célestes. Alors tu nous as montré au travers du message que le conseil que la puissance satanique n'a pas d'impact pour retenir ce que tu nous as promis. Alors, si je vois, je relâche. Oh, je relâche. Et il y a Kabashi Kenako. Que les enfants qui étaient retenus, prisonniers, oh, deuxième siècle, que maintenant soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. Merci de faire. Car tu es fidèle, éternel Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. J'aimerais te demander, Père, oh Yakashi Konako, de constituer, Seigneur Dieu de gloire, Père. Oh Jésus, une protection spéciale sur nous tous, ici présents. Qu'une voûte de protection soit sur nous. Que nous soyons gardés en sécurité à cause de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de mort, les morts subites, ne soient pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Que le Moussa Kabashi, les pères qui n'étaient pas mariés, mais au Sekeshi Kenyako Kabashi, au Kassanda Kashi, lui-même il a planté, cueilli les raisins verts. Yekeshi Kenyako, que les dents des enfants ne soient pas agacées au nom de Jésus-Christ. Merci d'élever le cœur de Jésus-Christ dans nos vies à cause de ta fidélité. Car tu es Seigneur, au nom précieux et glorieux de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Symbolique et spirituelle de ce Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire pour cette
unité que tu gardes pour l'Église. Bénis chaque personne qui vient de voir ce présent. Bénis le celui ou celle qui a participé spirituellement, matériellement, financièrement, pour l'évolution, pour l'avancement des églises de ce matin, cette heure. Là, nous te laissons toute la semaine, Seigneur, les voir entre tes saintes mains. Et nos projets soient sous ta garde, sous ta conduite, Seigneur, les voir. Je bénis, Seigneur, les voir notre chemin de retour. Toi qui nous as gardés, toi qui nous as ramenés à ce lieu, nous te demandons de la même chose, que tu puisses nous accompagner jusqu'à notre heure. Que ta grâce, Seigneur, les voir, puisse aussi la ramener dans nos vies. Et ta main, notre âme, nous devons voir la communauté Saint-Esprit, mais c'est pas de parler pour cette heure. Nous te demandons de purifier et sanctifier ce que nous allons manger de gloire, d'étendre que ta main sur nos vies. Seigneur de gloire, pendant même que nous allons coucher, dormir, Seigneur de gloire, toi qui les dormes et les sommeils, tu puisses veiller, Seigneur de gloire. Nous venons de prier, Seigneur de gloire, de la même chose, que tu étends ta main sur le papa de notre sœur Christella, Seigneur de gloire, que tu puisses le bénir et le guérir. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je crois à cette parole. La Bible dit que nul ne devait venir à toi et retourner de la même façon, Seigneur de gloire. Non, Seigneur de gloire. Par la parole que nous avons mangée spirituellement, béni au Père de gloire, délivre nos vies, Seigneur, des armées. C'est rare au sanctifier encore celle que tu as utilisée comme instrument de nous bénir sur cette parole, Seigneur de gloire. Merci encore pour le plus. Parce que le but, que nos vies soient libres. Parce qu'en Christ, nous devons être prospères. Que la gloire soit au nom de Jésus-Christ. Amen.